Oui, c'est dans le mal, et il y a pas mal de choses à faire. Et moi, je suis en train de me dire que 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 je suis en train de me الآتي Merci aussi, M. le directeur de l'Union du Sénat, qui a vraiment parlé de ce que c'est la presse. Et merci encore une fois à les journalistes qui sont présents ici. Et ici, il faut aussi que nous sommes avec une conférence, RFS, FIDH, les droits de l'homme, FIDH, à mettre à Alice. Si vous m'avez tout parlé, moi, je vais essayer de à mon témoignage à Jouti. Comme vous savez, vous me connaissez tous, et je me présente, je suis Charmanté Saïdara. J'ai près de 32 ans. Je suis journaliste de la voix de Jouti, FGD, les 5 médias indépendants de mon pays, Jouti. J'ai fait mes études primaires, secondaires et supérieures à Jouti même. Au journalisme, je me suis modestement formé sur l'État car j'ai étudié la gestion à l'université. J'ai embrasé le journalisme à la fois par un intérêt pour ses beaux métiers et pour engagement social. Je suis celle qui sont convaincus de la grande utilité sociale du journalisme informé et vital pour une société chez nous à Djibouti. Il y a une mission. Il y a une mission qui dit Wabrehara, Prelehara, en Somalie, ou à la fois on dit Dalgerama, Hayigerama. C'est des langues qu'on dit en entraîne. C'est-à-dire, trouver de la formation, c'est pouvoir décider, et d'autres, une terre qui n'est pas de décision éclairée sans information. C'est-à-dire, si je répète une fois encore, trouver de la formation, c'est pouvoir décider, et d'autres, terre qui n'est pas de décision éclairée sans information. C'est pourquoi j'ai rejoint la voix du Jouti dès juillet 2013. Ce choix n'est pas sans risque dans les contextes politiques du Jouti, pays qui dirige un régime autoritaire. Je suis rapidement défini, béni ici, comme mes confrères de la voix du Jouti LDD. Ma famille n'a pas retardé. J'ai subi arrestation à deux arbitraires et des détentions illégales, des traitements inhumains et dégradants en détention. Sans parler des menaces de toutes sortes, j'ai été torturé pendant la mort, j'ai été arrêté et détenu plus d'une dizaine de fois. Si je me rappelle exactement ma arrestation précédente, dans l'année 2020, a été une vie éprouvante avec plus de 5 arrestations et détentions comme celle d'Oko, dans laquelle j'ai subi la plus longue torture de ma vie. C'était le 15 juillet 2020, vers 22h40. J'ai été arrêté par la police alors que je couvrais des manifestations de soutien à Vietnam, pilote de militaire Fadus Ali, qui est confisé dans la condition inhumaine à la sinistre de son cadre et de son de prison de drogue. Du 21 avril 2020. J'ai passé 10 jours les mains liées au dos et attachées à mur. J'ai subi des services verbales, donc je ressens encore ce qu'elle a alors existé sur ces 10 jours. Mes bourreaux m'ont recouvert la tête d'une cagoule et conduit un lien secret après m'avoir fait tourner plusieurs heures au bord d'une camionnette pour me désorienter.
Une fois de destination, ils m'ont si clairement bâti et j'ai perdu la connaissance. Puis, ils m'ont commencé à me torturer. Les actes de torture ont duré jusqu'à 2 août 2020. Donc, la journée, le moment où j'étais reconduit à mon domicile familial, qui est des bourreaux, m'ont sachet à cette occasion, le nombre de ma famille, comme des enfants âgés, ont brutalisé de la sauve. Les bourreaux ont confisqué mon téléphone et tous nos téléphones et autres documents administratifs, permis de conduire, carte d'identité, les passeports, etc. J'ai encore arrêté en 2020 pour avoir couvert un incendie qui s'est déclaré à Bongué de Balbala, au 4-5, la capitale du Sien. Ma dernière arrestation en date remontée au vendredi 15 juin 2020, une fois encore, à 17h. Cette fois-ci, la police a ciblé entre ma personne, ma famille et moi, et mes sœurs et moi-même. Avions été arrêtés, révoltés par une citation, ma mère s'est constituée prisonnièrement en se rendant d'elle-même au commissariat de police. C'est mon père d'absent au moment de mon arrestation a pu échapper la police. L'une de mes sœurs et moi-même avons été conduits au commissariat de la cité d'Ivoire, de Valbala, de Bondi, de Bourdiri. Donne-moi seulement notre maison de familiale de Valbala, cher monsieur. Une autre sœur a été jetée à notre commissariat de la police, secteur de Charmoussa, de 5e arrondissement. La troisième sœur, police rattachée par le commissariat de Cité Rolland. Au commissariat de Cité Rolland, dit Rolland, a été nouveau bâti, le plus torturé, jeté, menotté, suspendu par des jambes et des bras à une barre de fer. Les yeux bandes avec des morceaux de tissu imbibé du liquide irritant d'eau déjà fait et détendant. Puis rouillé des gifs entre coups au poing sans compter de cracher sur le visage, y compris dans les yeux. Tout c'est devant ma petite sœur avant de serrer la rage. Je ne parle même pas de la violence psychologique, j'ai fait l'objet de toutes sortes d'injures. Des menaces, y compris la mort. J'ai encore frôlé la mort par un suicide en perdant la connaissance plusieurs fois. Mes bourreaux me criaient sans cesser d'élargir mes sources d'informations des journalistes et autres contacts personnels, de me criant de leur fournir les mots de passe de mon téléphone afin d'accéder au quotidien de l'appareil. Mais je ne savais pas, alors il voulait la torture. Cela a duré des heures et des heures. J'ai été libéré après plus de 15 jours, si plus en grâce à l'acte rouge lancé par la voie du Djibouti FDD du Gabarit en France. Mon téléphone portable est toujours dans les mains de la police qui travaillait concernant les services de secret du Djibouti FDS. Je souffre encore des séquelles. Mais ceux qui m'ont nom d'enfer, je souffre notamment les oreilles et les yeux. Je couvre aussi le nom de tête et je ne parle même pas de la souffrance psychologique. Vous l'avez compris, l'objectif de toutes ces violences contre ma personne et ma famille est de me terroriser, de me faire dénoncer à mes activités de journaliste pour l'EDD, celle des médias indépendants. Les exilés en France, les pays. C'est peine de perdre, car je ne vais pas dénoncer ma liberté et je ne vais pas céder à la dictature. C'est pour votre information que je suis également engagé de défense, plus généralement, des droits de l'homme à Djibouti et des droits de l'homme et de Daesh. Merci de votre attention. Non, là, on va faire un peu. Vas-y.
الرزاق بيدي اليوم لما صحى صدى حط بجوتين في هذه الأسرة اليوم بدويها حط بجوتين في هذه الجامعة يقدر تكلم مع نفسه طبعا سائر سستا اليوم في نستا أو كل جوبي من نتفلكس سأقول سنتي صحافة اليوم حتى كنا تايم عن نصف عنية ولكن الحمد جامعة وأنت سنحكى سأقول سنتي حالة صحافة الجوتي أدي أنا بقولي لك سأقول سنتي كل يوم تيجي قصر معها وصلنا المغرب ونيجا وقت ده ويجلس سنتي وما كانوا بيجوا باريس يعني هو ربنا كان في فرنسا يبقى طول كاف يهوش على كل هالشيء وحنعرف هو بيكون الشام صحافة حالات اللي هو مني حالات كذا وراء كذا قصرا الفيديو جوز قصرا لولا لولا تعالى لولا كيسين وايو أنت جبتي وصحافة الدنيا يبغى حبنا الجبت كشخص إنك سؤالي يكون تاعي إنسي أبا إنسي جبتي فرانسيسكا إنسي يكون تاعي أبنا وصحافة الدنيا أبنا سكوت دليل كشخص دبنتون عين كذا وقولا أيه لا تمانع بكا بدهان على الجبوتي الصحافة الآن تقول لنا ومن ذلك الصغير اليوم كاسمونا أبا كاسمونا شو شاهدون من أب ولا صلاة ما كان أب يا أب ما سنتي أب يا أب ما كانوا ما سنتي سيدسون دويسين أنا بنيس وأنا ما سنتي مسلم عليك الله تعالى. وأنا أنا سؤال الله يبارك فيك، أوفي كذا سؤال كبار طبعاً، سمعت يوم من الجبتي سؤال كبار، يدير ما شاء الله سير، وين؟ صعب شوي. أنا كنت في سكان كفاية سريعة، سمعت يوم يسوي زمان سؤال كل فيديو، تعدي الجبتي سريعة، ها، هذيك يسكتلك من لغة سريعة، أنا هو حد جوي صدق جر. ayam jobi oleh kuda di akhir tahun baru on an akhir kita hanya apa maka selama kami kalau belum vaksin ada apa what's the reason siapa adi masih warbi apa zaman soal saya ambil untuk ini jadi kalau vaksin bu mungkin apa tes bu sekarang ini adi ufah dalam hari ofkan muda ya orang tak أفضل من الوالدين حتى حتى كان ضمن يبقى تفضل من الجسد أي فهم يسجد بعد ما يكون مدرك